Ben salut Yannick, c'est Johan en direct du studio Prime Golf Academy. Ben écoute, voilà ton grand retour après ta blessure de guerre. Donc, comme tu as 2 semaines ici avec nous, on va d'abord travailler les problèmes de fond, c'est-à-dire les problèmes de contact, avant de s'attaquer aux problèmes de direction et autres. Alors, ici, la chose qui nous causait problème principalement, c'était surtout les problèmes de contact, et en l'occurrence les sockets. Donc quand tu as repris donc le golf il y a quelques jours, quelques semaines, tu m'as dit que tu étais beaucoup pris par les problèmes de socket, m'a dit 8 sur 10. Jérémy a un peu corrigé, maintenant tu n'en fais plus que 1 sur 4, donc ce qui est bien. Et là maintenant avec la vidéo et le TrackMan, on va pouvoir aller encore plus loin et régler tout ça une bonne fois pour toutes. Alors, ici le problème est assez simple en réalité. Donc qui dit socket dit forcément une balle qui touche le talon. Donc il faut évidemment se concentrer sur les problèmes de plan, position de poids du corps au niveau des pieds avant-arrière, et voire même aux limitations physiques. Alors, sur la série de balles que tu nous as faites, j'ai donc choisi celle-là pour voir pour les sockets. Et on s'aperçoit ici déjà qu'au départ, la balle est centrée au niveau du talon, donc ça déjà ça va pas nous aider. Ensuite, je monte. Là, on s'aperçoit qu'il y a un léger décollement des fesses et un léger décollement de la tête, donc le corps en entier va en avant pour la simple bonne raison que comment dire, le poids du corps est placé sur les talons. Donc évidemment, comme le club va en arrière, ben, si je bouge pas mon poids du corps, je tombe en arrière. Donc tu compenses en allant en avant. Et quand tu tapes, donc à ce moment-là, on a donc la tête qui a avancé donc de quelques centimètres et les fesses également. Et là, on s'aperçoit en fait que le talon vient se présenter en face de la balle. Et cette balle-ci était en socket. Donc ça, c'était avant les correctifs. Donc les correctifs, ils sont assez simples. Ils sont évidemment, il y en a deux en statique et un en dynamique. Le statique, il est simple, il faut mettre la balle au milieu de la face de club, c'est déjà une bonne base. Ensuite, s'assurer que le poids du corps est non plus sur les talons au démarrage, mais qu'il est très exactement à ce niveau-là des pieds, donc sur chaque pied évidemment, à cet endroit-là. Et ensuite, donc ça c'est les deux dans le statique, et dans la dynamique, quand je monte, c'est très important en fait que le poids du corps vienne sur le talon droit, et non pas sur la pointe droite comme tu faisais sur la vidéo d'avant. Donc quand je fais ça, on s'aperçoit qu'au sommet du swing, la tête est toujours dans le carré, les fesses sont toujours collées et dans l'impact. Voilà. Dans l'impact, la balle est centrée, la tête est au bon endroit et les fesses sont aussi au bon endroit. Donc si tu fais ça, on va déjà avoir une régularité de contact et forcément plus de plaisir de jeu. Et on se retrouve lundi pour la partie 2 des corrections de ton swing. Voilà, Yannick.